Ok, donc à moins que vous ayez vécu dans une grotte ou que vous ayez été en shutdown complet cette dernière semaine, vous avez vu qu'on risque d'avoir les fachos au pouvoir dans 3 semaines. Bon, on pourrait partir du principe qu'ils y sont déjà techniquement depuis quelques années, ça dépend les terminologies, etc. Clairement, le gouvernement qu'on a fait des trucs qui sont genre evil core, mais ça pourrait carrément empiré pour les années qui viennent et on ne peut pas se le permettre. C'est déjà vachement la merde pour genre tout un tas de gens et principalement les personnes qui sont opprimées de façon systémique. Ça serait la pente glissante vers genre. C'est déjà la pente glissante vers le n'importe quoi, mais là ça serait la pente glissante vers l'enfer, donc on n'en veut pas. L'avantage, c'est que la gauche a l'air de s'unir au moment où je vous parle, elle a l'air d'avoir envie de se péter la gueule, mais on va espérer qu'il y ait des gens qui aient un petit peu de bon sens et qui arrivent à raccrocher les wagons, que les gens fassent les bons choix et qu'on ait un bulletin unique de gauche à foutre dans une putain d'urne dans 15 jours. Bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, il a été impossible de s'inscrire sur les listes électorales 24 heures après l'annonce des européennes. Logiquement, vous êtes inscrit, mais vous êtes inscrit probablement à un endroit qui n'est pas nécessairement le bon. Si c'est pas le cas, il y a le moyen de faire une procuration, il y a plein de gens qui peuvent la prendre pour vous, que ce soit des gens que vous connaissiez, mais genre vous pouvez aussi vous rendre dans des partis, vous pouvez aussi vous rendre dans des syndicats, vous trouverez des gens qui prendront votre procuration, surtout dans un moment comme ça. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez une carte nouvelle, les petites cartes en plastique d'identité, vous n'êtes pas obligé de passer par un commissariat pour faire votre procuration. Et ça, on va pas se mentir, c'est genre un soulagement. Je vous mets les liens dans la description pour comprendre comment déposer cette fucking procuration. Et vous avez aussi un lien de un trade ou deux de trucs que je trouve intéressants. Ok, là il y a une vidéo à l'arrache parce que c'est le foutoir et parce qu'on a une chance de renverser la vapeur et d'avoir un truc vaguement de gauche plutôt qu'un truc carrément fasciste. Donc ça c'est cool. Bien évidemment, la lutte, elle était là avant. Elle continue avant ces élections, elle va continuer pendant, elle va continuer après. Donc on ne s'arrête pas, on lâche rien, on a tout un tas de trucs pour lesquels se battre, et le pire truc qu'on pourrait faire, c'est désespérer, partir du principe que c'est foutu et lâcher l'affaire. Ou partir du principe que non, les gens pour qui je vais voter sont pas parfaits, qu'il y a trop de socialistes dedans, ce genre de truc. Honnêtement, je pense que ce serait un hyper mauvais calcul. Déjà, la pureté militante, je suis pas pour, mais alors là, si c'est avoir de la pureté militante pour se donner bonne conscience et se retrouver avec genre des Le Pen au pouvoir dans 3 semaines, honnêtement, faites pas ça. Faites pas ça. Donc, on se retrouve dans la rue, on se retrouve dans les urnes, on lâche absolument rien. Il y a de l'espoir, on va y croire jusqu'au bout, et si ça marche pas, on va canaliser tout cet espoir en putain de colère pour tout péter. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos camarades, et la lutte continue.